my head, like a photograph under my bed. And the lights were out, so the mood was set. We said those words. Bon, et tous ces gens là, on les tue quand? Parce que nous, les meurtres, ça nous connaît, hein? I was never gonna leave ya, leave ya. You were always gonna be that one. Yeah, our love was like a fever, fever. But then I'm broken, you were gone, 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 gone. Regarde ça. T'as mal carré, hein. Il a un petit peu coupé, hein. Bah j'ai pas les gens. Voilà. Oh, il y a un petit truc noir dessus. Un noir de building. On est où là? Ah, ah, là-bas. Il est mon doigt, putain. On est là, on est là. Regardez ces petits pigeons, ils ont froid eux aussi. Nous aussi on a froid, on ne peut pas s'en manger les petits pigeons. J'ai oublié de raconter aussi, hier on n'a pas fait de vidéo parce que bah, du coup on était sous le feu de l'action. Mais premier jour, première heure à Chicago, j'allais dire San Francisco. Premier jour à Chicago, on arrive sur le petit port et on voit une, ce qu'on pense être un canard qui était accroché à une sorte de truc pour la pêche, et avec Jeanne on suivait le canard pour savoir bah, du coup s'il allait arriver à s'en sortir ou pas. On essayait de l'attraper, mais il nageait un peu plus loin que nous et à chaque fois on était à deux doigts de l'attraper, mais il s'en allait toujours au mauvais moment quoi. Et puis finalement il y a une dame qui avait déménagé de New York à Chicago qui enfin s'est arrêté, parce que les passants en fait ne s'arrêtent pas, hein. Ils voient qu'on regarde un truc, ils savent pas quoi, mais ils s'arrêtent pas. Du coup elle s'arrête, elle nous dit mais il a quelque chose de coincé dans son bec, c'est bizarre. Du coup elle a appelé quelque chose genre la SPA ou un truc comme ça. Ah, ça fait du bien, parce qu'il fait froid. Et donc du coup elle les appelle, elle nous dit il y a un volontaire qui va arriver dans 20 minutes, nous 20 minutes, enfin on y était déjà depuis un petit moment et on voyait personne arriver. La dame est restée avec nous tout ce temps et nous on essayait toujours d'attraper le fameux canard. Et à un moment donné il y avait plein de gens qui commençaient à s'arrêter, qui essayaient de nous aider. Et à un moment donné, l'oiseau se rapproche de nous. Et Jeanne commence à l'attraper, du coup je descends vite et tout. Et on finit par l'attraper, on réussit à le prendre et à le mettre à terre et pour qu'on puisse l'aider en fait. Parce que dans l'eau, il fait froid, on ne pouvait pas rentrer. Et du coup, Jeanne le tient pendant que moi j'enlève le crochet parce que du coup c'était une sorte de hameçon qui était coincé dans sa bouche parce qu'il essayait d'enlever le truc lui-même qui était accroché à son aile. Il avait son aile complètement défoncée parce que du coup il essayait d'arracher les fils qu'il y avait dans son aile et tout ça était relié à sa patte. Alors il pouvait pas faire ça tout seul. Donc Jeanne le tient, moi j'enlève l'hameçon de son bec. Les gens commencent à nous dire « Ah, il faut couper les fils, machin. » Oui, mais nous, on n'a rien, on est touristes, c'est notre premier jour, on n'a rien en fait. Donc les gens commencent à... Il y avait un hôpital pas loin, la dame qui était avec nous va voir l'ambulance, voir s'ils n'ont pas quelque chose de tranchant pour couper les fils. Et une autre dame avec sa petite fille qui était voir au club de golf s'ils n'avaient pas un ciseau ou quelque chose. Les deux dames reviennent en même temps avec des ciseaux, donc du coup on essaye de commencer à couper les fils. Entre temps, la volontaire de la SPA américaine arrive et du coup il était déjà attrapé, l'oie ou le... Du coup c'était pas un canard, c'était une oie, elle nous a dit que c'était une oie. Et elle nous dit « Oh là là, c'est terrible et tout, machin ». Elle avait amené un carton, même pas une boîte ni rien, juste un carton. Et du coup, on le met dedans et tout. Et enfin, bref, première heure à Chicago, c'était du sport. Hein. Et franchement, j'étais soulagée qu'on puisse... qu'on puisse l'avoir aidé et qu'il soit pas mort noyé parce qu'il était en fait son bec était attaché au crochet relié à l'aile et il arrivait à peine à maintenir sa tête hors de l'eau quoi parce qu'il avait le bec comme ça sur le côté. Il allait crever le truc parce qu'il allait s'épuiser à essayer d'enlever l'hameçon qu'il avait dans la bouche et c'était terrible à voir et tout ça à cause des humains et franchement ça fout les boules quoi. Enfin bref, voilà. Il neige à Chicago, bordel de merde. Mais on a des donuts alors ça va. Ah oui, des donuts. Don't you bring me no sunshine. Sky and the rain. You never Thank you. Ah. Dis donc. Regardez-la, dans le rayon vin. Non, on te voit. Elle joue à cache-cache dans le rayon vin. On t'a retrouvé. Tu veux pas en acheter une pour moi? Bah, si tu veux, écoute. Petit, 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 petit. Petit. Sauver notre roi, sauver le roi là, c'est ici là. On lui a même pas donné de nom. Tiens ici, petite choupette.